Bonjour, je suis bien au Parti Socialiste. Oui. Oui, bonjour, monsieur Gilbert. Voilà, Oui. je me permettais de vous appeler parce que, en fait, j'étais sur votre site internet notamment, et bon, ça fait quelques temps que je souhaiterais peut-être adhérer. Oui. Et donc, j'avais quelques questions à poser. Alors, je ne sais pas si vous Est-ce êtes. que vous habitez sur l'île? Oui. Oui, je vais vous passer Catherine Pagny, hein. Vous êtes monsieur? Monsieur Gilbert. Ah oui, excusez-moi. La Fédération du Nord du Parti Socialiste vous remercie de votre appel et vous prie de bien vouloir patienter. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Gilbert, voilà, je me permettais de vous appeler parce que, comme je disais à votre collègue, je regardais un petit peu votre site internet. Oui. Et bon, ça fait quelques temps que je suis la vie politique. Hein. Je suis assez jeune, j'ai 25 ans. Oui. Et en fait, j'aurais éventuellement été intéressé par adhérer, mais avant ça, j'avais quelques questions Oui. qui me font toujours un peu hésiter. Donc, j'aurais bien aimé avoir des réponses. Donc, je sais pas, c'est vous qui vous occupez peut-être de tout ce qu'il a rencontré avec les adhérents. Tout à fait. D'accord. Parce que bon, deux questions. Alors, il y a une question locale et une question nationale là qui m'a. Parce que bon, sur la ligne sociale, je rejoins complètement le Parti Socialiste. Ça, c'est vrai. Oui. Je trouve que c'est vraiment fondamental, surtout à l'heure où on nous bafoue nos acquis sociaux de plus en plus. Par contre, j'avais vu quelque chose qui m'avait choqué, c'était par rapport à Martine Aubry qui aurait fait des piscines municipales avec des horaires non mixtes, avec des horaires séparés en fait pour les hommes et pour les femmes, pour favoriser les femmes musulmanes. Et ça m'avait un peu interpellé parce que moi qui suis très laïque, je trouvais ça un petit peu étonnant. Donc je voulais savoir un petit peu la position du Parti Socialiste par rapport à ça. Bah, par rapport à ça, de toute façon, il y a eu pas mal d'articles qui étaient parus, et là-dessus, elle a eu l'occasion effectivement de répondre à plusieurs reprises, hein. C'est vrai que j'ai pas lu justement les réponses par rapport à ça. Bon, après j'ai lu les rumeurs basses qui ont été faites, mais c'est vrai que sur ce point précis, sur les piscines, j'aurais bien aimé avoir une réponse parce que c'est vrai que ça m'a interpellé un petit peu. Vous trouveriez par rapport aux réponses, par rapport à la presse et tout ce qui a été écrit, l'idéal c'est d'avoir ses réponses à elle et ça a été clairement indiqué dans la presse, hein. Parce que qu'est-ce qu'elle a dit du coup? Alors là, reprendre exactement les termes, je ne le peux pas, étant que je n'ai pas sous les yeux les documents, mais ça a été largement évoqué et à partir de là, il y a eu des réponses, hein. Ah oui, non, mais c'était pour savoir s'il y avait bien, en fait, au final, des piscines avec des horaires réservés, et puis... Non, pas du tout. D'accord, Voilà. ok. Étant donné qu'il n'y avait pas de raison de faire... C'est une forme de discrimination à partir du moment où vous faites ça aussi, hein. Bah Donc oui, ça tout à fait, n'était ouais, pas... c'est pour ça que ça me Voilà. surprenait un petit Donc peu. vous trouveriez sans problème, hein. D'accord. Voilà. Et bon, bah, ça, déjà, ça me rassure. Et l'autre chose, là, c'est que bah, j'ai vu un petit peu, alors je sais que c'est différents candidats, mais j'ai vu un petit peu les propos de Ségolène Royal, là, de son Oui. intervention l'autre jour à la télévision. Oui. Et là, il y a une autre chose qui m'a un petit peu interpellé. Bon, c'est vrai que moi, à la base, on va dire, je suis plutôt quelqu'un de centriste, donc il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'elle voulait rassembler, faire un grand rassemblement, et notamment, elle y a inclué l'extrême gauche. Et en fait, moi, qui ai toujours été notamment un grand fervent opposant de l'extrême droite, notamment, ça Oui. m'a vraiment interpellé qu'un responsable socialiste veuille englober l'extrême gauche, sachant que bah, on connaît quand même tous les ravages aussi qu'ont pu faire le communisme Bah, depuis. les extrêmes en général, Oui, tout à tout à fait. fait. Bah oui. Donc ça, par rapport à ça, vous dire qui a dit quoi et bon, il n'y a que les discours et ça sur Internet, vous trouveriez vos réponses, hein, à partir du moment où vous documentez. Bon, je suis étonné aussi, mais ça peut être dans un discours, dans une C'était sur réaction. France 2, c'était sur lors de son intervention sur France 2. Non. Mais c'est certain que pour l'instant, nous, on est dans la promotion des primaires, et c'est vrai que par rapport aux primaires, on a l'ensemble des candidats, et l'idéal, c'est quand même que les citoyens puissent s'exprimer au travers de ce mouvement démocratique et des primaires proposées. Après, vous pouvez effectivement vous documenter sur tel ou tel candidat-candidate et suivre leur actualité, mais là, rien de tel qu'Internet pour savoir vraiment ce qu'il en est, hein. Sur les différents blogs des candidats, d'accord.
Ah, tout à fait, puisque vous avez des blogs officiels hein, qui sont ouverts, donc vous pouvez tout à fait regarder. Vous avez le pot commun, donc la base commune, qui est le projet du PS, qui a été adopté par l'ensemble et à l'unanimité par le Bureau national. Et après, vous aurez des réactions ou des engagements de certains des candidats, voilà. Ouais, c'est vrai que bah, c'est un petit peu ça qui démarque un petit peu, c'est parce que des fois on en discute avec les collègues là qui sont assez Oui. proches aussi du PS et puis Oui. et souvent bon il y avait bon là c'était pas sur l'extrême gauche mais sur ce que je disais tout à l'heure sur l'île au niveau de la population musulmane, c'est vrai qu'on avait l'impression bah, en tant que c'est vrai qu'en tant que maire de Lille, Martine Aubry qui est quand même une des grandes responsables du Parti socialiste avait souvent tendance à faire un peu de prosélytisme. Bah, notamment quand elle a participé au congrès, à un congrès avec des islamistes et donc c'était un peu choquant pour des laïcs comme nous, quoi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu une prise de position, elle s'en est largement exprimée. Et c'est vrai que la presse ou les rumeurs, des fois, ça fait des ravages, alors que l'idée de départ n'est pas celle qui est soi-disant annoncée, hein. Non, mais bah, là, en l'occurrence, c'était pas, il y avait une intervention lors d'un salon organisé par la Ligue du Nord islamiste, là. Oui. Et c'est vrai qu'il y avait plein de femmes voilées et tout dedans. Et moi, ça me choquait parce que, bon, c'est vrai qu'on est quand même en République française. Donc, je trouvais ça un petit peu choquant. Mais c'est vrai que par rapport à ça, pour vous faire une idée, si vous n'êtes pas prêt tout de suite à nous rejoindre, l'idéal c'est de vous informer très complètement par rapport au net, hein. Parce que là vous avez vraiment bah, toutes les informations que vous allez rechercher, vous allez les trouver, hein. Mais c'est aussi pour ça que je préfère appeler, c'est parce que bon, sur le net, Tout il y a à un peu de fait. tout et de rien, et bon, Ah c'est vrai que. voilà. L'idéal étant de prendre effectivement les sites respectifs et de bien voir les prises de position, hein. D'accord. Voilà. Ok. Mais donc, en tout cas, vous pouvez me rassurer sur le fait que le Parti socialiste n'est pas orienté par des questions religieuses, notamment avec l'islam, quoi. Mais non, il y a des prises de position, je vous dis effectivement, au niveau national, mais chacun des candidats va pouvoir étoffer ses propositions ou alimenter d'une manière ou d'une autre par rapport à ce qu'il compte faire ou comment il prend en compte la situation dans tous les divers domaines. D'accord. Voilà. Mais le programme qui est, je vous dis, adopté à l'unanimité, explique dans des tas de domaines, puisqu'il fait quand même 82 pages, il me semble, sur Internet. Il est intégral, hein. D'accord. Donc vous pouvez consulter là-dedans et à partir de là, vous trouverez certainement vos réponses. D'accord, je vais regarder ça. De toute façon, Voilà. vous avez, j'ai vu aussi qu'on peut éventuellement venir passer à votre permanence. Tout à fait, bah, c'est pas, si vous voulez, c'est pas forcément une permanence. Si vous prenez rendez-vous, étant que là, ça va être la période de congé, donc un petit peu moins facile pour trouver les salariés. Mais sinon, à la rentrée, on est vraiment dans les primaires. Vous aviez l'intention de Ouais, participer aux primaires, sûrement? peut-être, mais ça aurait été vraiment, je serais peut-être passé à la fin du mois de juillet, quoi. Mais à la fin du mois de juillet, moi, vous ne me trouverez plus. Par contre, on peut se trouver tout début septembre si vous le désirez, hein. Bah à ce moment-là, je vais regarder parce que je sais que je pars en congé aussi. Je vais regarder et puis à ce moment-là, je rappelle. De toute façon, je Vous me rappelle assez rappelez, il n'y a rapidement. pas de souci. Il n'y a pas de Ok. souci. Ça marche. Bon bah parfait. Merci à Merci à vous. vous. Au revoir. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.